Inventé, Emouna le fut en 2015 dans un contexte de violence, né de la volonté partagée des ministres du culte juif, chrétien, musulman et bouddhiste de proposer une réponse humaniste, forte, pour créer des passerelles et non bâtir des murs entre les différentes convictions de nos citoyens. Et ce, en croisant à la fois les points de vue religieux et l'approche universitaire au sein d'une même formation. Dans une république laïque et dans une société qui ne l'est pas, le rôle des religions est un rôle aussi au service de l'intérêt général par les valeurs qu'elles expriment, par les actions qu'elles mènent. Emouna a démontré la pertinence du projet, la pertinence de réunir et de faire connaître l'autre, l'étranger, pour finir par finalement être l'exemple même du message que Saint-Exupéry mettait dans son Petit Prince, loin de te léser, la différence m'enrichit. Le bien commun ne se définit pas qu'avec de grandes idées, mais avec des petits pas personnels, des engagements personnels. Et le génie de Sciences Po, c'était de considérer que oui, il fallait que les gens se rencontrent, mais d'inventer un module ou quelque chose qui permette aux gens de se rencontrer. En fait, c'est rendre concret de grandes aspirations. C'est exactement le modèle biblique. De là à dire que Sciences Po, c'est la réplique du Mont Sinaï, il n'y a pas loin. Sciences Po.